continue Misset Yesharim. On a dit l'année savoir que j'ai beaucoup l'adam, mais ma com, j'ai rabim bo, amachikim auto mimenu itbarach, vehem, et matavot amachomriot, asher im, asher hacharein, nioum, trafik, olek minatov, a amiti. On va expliquer ce qu'est ce tov amiti. Benimtsa, shu moussam, behemet, betoch, amilchama, chazaka. Et donc il dit, c'est pour ça que finalement l'homme, il va se trouver Be'emet, véritablement, Betor Hamilchama Chazaka. Au milieu de cette guerre qui est très dure, très forte. Pourquoi? Parce que finalement, tout ce qu'il y a dans ce monde-là, tout ce que j'ai écrit dans ce monde-là, soit dans le bien ou dans le mal, ce sont des épreuves pour l'homme. Pourquoi? La pauvreté d'un côté, c'est une épreuve. Et d'un autre côté, la richesse, c'est une épreuve. Kinyan Shamar Shomo, Penesba, Bekitrashti, Bamarti, Pe, Ni Hashem, Pe, Ivaresh, Meganati. De peur que je sois rassasié, donc je suis riche, et que j'oublie Akadosh Baruch Hu, et que je dise, qui c'est Dieu? Et je vais arriver donc à voler. Hashalva, Dieu. Voler Dieu lui-même. Hashalva, Mitzadechal, Isri, Mitzadechal. Par exemple, quand quelqu'un il est, Beshalva, il se porte bien, tout va bien, serein, une vie sereine. D'un autre côté, parce que quelqu'un il a des épreuves et des souffrances. Ah, Timsel, Amitrama, Ela, Pani Bachor. Et donc on voit que la guerre qu'il va mener, c'est sur deux fronts. Le front de la richesse, par exemple, ou le front de la pauvreté. Que dans tous les cas de figure, un homme, il se trouve dans des issues, dans des épreuves. La richesse, ça peut être une épreuve. La pauvreté, ça peut être une épreuve. Vimiye, le Ben Chaïl, Vinissar, Amitrama, Milatsadim. Si maintenant il va être un Ben Chaïl. Ben Chaïl, il faut voir ce qu'il faut expliquer, c'est quoi un Ben Chaïl. En tout cas, si maintenant cette personne-là, elle sera un Ben Chaïl, on va dire un vrai soldat, il va garder, il va gagner pendant cette guerre-là de tous les côtés, que ce soit dans une situation où il se trouve, Shalva, où il est serein, d'être trop serein, c'est pas bon, parce que tu penses que c'est tout vient de toi, et tu peux oublier Dieu. La pauvreté, comme il écrit, c'est Monti Adam Da'ato aussi, ça fait sortir l'homme de son Da'at, de sa tête, ça rend fou. S'il arrive à gagner cette guerre-là, dans ce monde-là, où il y a Adam, Hashem, Hashem, Iskel, Idavik, Boro, Yetzim, Namprosdor, Azev, Ikanes, Betaklin, Laor, Beor, Achaim. Alors cette personne, elle sera Shlema, sera une personne complète et entière qui se réalise complètement et qui aura le mérite de s'attacher à son maître, à son créateur, à Kadosh Baruch Hu. Il sortira de ce prosdor, de ce couloir, c'est sur la Mazé, ce monde-là, il rentrera dans le palais, Laor, Beor, Achaim, pour l'éternité, pour la vie éternelle. וקפי אשיו אשר כבש את יצרו ואת אהבותיו, ונתרחק מן המחיגים אותו מהטוב ונשתהל להידבק בו, כן יסיגהו וישמח בו. Et de la même mesure qu'une personne a réussi à être mitgaber, à conquérir son yetzer hara, ses instincts, et s'éloigner de tout ce qui pouvait l'éloigner du véritable tort, du véritable bon, et il s'est efforcé de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Alors de la même manière, Borlam Ahmed, Borlam Abba, après 120 ans, Ken Yesigihu, pour savoir ce que ça veut dire, Sig Ennemi Etma, alors Ken Yesigihu, mais pas chou, tu parles avec Kadosh Baruch Hu, c'est ça le chat, c'est de la même manière qu'il a mis ses efforts, comme on a dit, à gagner son Etzahara, ses instincts, et toutes les choses qui l'ont éloigné, les Kadosh Baruch Hu, qu'il est même s'il s'est attaché à Dieu, alors il comprendra, il verra. Il verra, il comprendra que Dieu est beau, il va se réjouir beau en lui. D'accord? Ça, on a traduit ce qu'il a dit, on n'a pas encore expliqué. Donc, il dit le Ramchal, il dit donc finalement, on se rend compte que l'homme, Behemet, il est mis au milieu d'une guerre continuelle et très, 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 très dure. Pourquoi? Comme il a dit, parce que finalement, tout l'ignané en Lamazé, tout ce qui se passe dans ce monde-là, tout ce que Dieu a créé dans ce monde-là, et comment Dieu a créé le monde, on l'avait expliqué juste avant qu'on enregistre. Voyons les chaînes, voyons Michel aussi. Kakadosh, beaucoup il a créé ce monde-là en dualité. Kakadosh, beaucoup il y a le top, il y a le rat, il y a le bon, il y a le mal, il y a le pur, il y a l'impur, il y a la femme, il y a l'homme, il y a la femme. Encore une fois, je ne veux pas entrer dans. Choisissez. D'accord? Kakadosh, beaucoup il a créé ce monde en dualité. Maintenant, il dit ici dans le Ramchal que finalement, on vient pas. C'est puissant ce qu'il dit, c'est très puissant, très puissant. Parce qu'on pourrait avoir tendance toujours à penser que quand est-ce qu'une personne, elle a bémette,
une guerre contre son Yetzer. Ici, il va sur deux. Il sent l'ancienne, quoi. Nissan, l'éphémère. Mais il sent le Nissan. Quand il sent le Nissan. Il veut dire qu'il est tout le temps, Nissan, il est tout le temps. Tamis. Non, je ne suis pas en train de dire qu'il est Tamis dans Nissan. Mais ici, il y en a un Khidush. Le Khidush. Nous, on pourrait penser que. Il y a des moments. Bien sûr, il y a des moments. Non, on croit. Heureusement. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments. Non, mais c'est sûr qu'il y a des moments. Ça, c'est d'accord, moi, non. Il y a des moments. C'est vrai qu'il y a des moments dans Nissan. C'est tout le temps. C'est pas tout le temps, chaque instant. Dans tout, il y a des femmes. Dans tout, il y a Nissan. Non, sinon, on vivrait pas. Impossible. C'est pas chaque instant. Il y a des moments de Nissan. J'ai compris de là qu'il dit. Comment? Chaque instant, il y a une scène. Pas chaque instant. Là, t'as une scène? Ouais. Non? Quoi? Je peux rêver, je voilà, peux me traquer. Ouais, donc, et ça? Ça, c'est pas une scène. N'avait pas ça, une scène. C'est pas ça, une scène. On avait expliqué que c'est pas une scène. Je vais pas entrer dans l'univers, c'est quoi une scène? Ça, c'est pas une scène. Bon, on parlera plus de ça. Peut-être juste après. Juste pas prendre un coup d'œil ici, si on le rentrale. On a toujours tendance à penser que quand tu fais une guerre, t'as un front. Tu comprends? C'est-à-dire que dans une guerre, t'as un front. Nous, on a la guerre contre le Sahara. C'est quoi la guerre contre le Sahara? Automatiquement, c'est tout ce qui nous paraît négatif. Ne pas voler. Je peux pas, c'est dur. Ne pas regarder une femme. Encore plus quand elle n'est pas bien habillée. Et encore plus quand elle n'est pas habillée. Ok? Et ainsi de suite. À chaque fois, on pense que le Nisayon est toujours dans le côté négatif de ce qui pourrait lui parler négatif dans ce monde-là. D'accord? L'interdit. Que le Nisayon, il est dans l'interdit. Dans le sens où, ne pas. C'est beau ou pas? Comme j'ai dit maintenant. Tu as envie de manger, t'as un truc super, mais tu peux, c'est pas l'air cher. Nisayon. Et ainsi de suite. D'accord? Il dit, en fait, c'est faux. Même dans le Tov, tu peux avoir un Nisayon. Même dans ce qui te paraît bon, ça peut être une Seyon. Ça rejoint au cours qu'on avait parlé les mois passés, par rapport à Adam Arishon, que même dans le top, tu peux avoir une Seyon. Même dans le top, tu peux pécher. Même dans le top, tu peux tomber. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit par rapport à Adam Arishon découlé? C'est ça qu'il dit ici. Ne viens pas penser une seconde que la milchama de l'homme, et ça c'est un Khidush Hatzoum. C'est un Khidush Hatzoum qu'on a déjà vu, mais qu'on revoit maintenant. C'est-à-dire que ne crois pas ici que la milchama, la guerre de tous les jours, Habibi, elle est simplement dans ce qui est négatif. Que tu sais que les gens, ils savent que c'est négatif. Comme j'ai dit, de pas manger le foie cachère, c'est une scène de fou. De regarder ce qu'il ne faut pas regarder, de parler comme ça. Tu sais que c'est pas bon, tu sais que c'est négatif, et voilà, l'Etzara, il est dans ça. Faux. Il n'est pas que dans ça. La guerre avec l'Etzara, il peut même mettre dans le tort, même dans le bien. La preuve. Par exemple, par exemple, il est 9h. Et tu sais que tu es encore à la maison. Tu as un quart d'heure pour arriver au collège. Normalement, parce que là, il est un peu tard quand même. Il faut y aller plus tôt. Mais en tout cas, ouais. Tu es en retard, machin, mais une chouette. Tu dis, qu'est-ce que je fais? Et puis là, tu as un rave avec une barbe jusqu'au parterre. Il vient te dire, écoute, mon fils, j'ai un khidush Hatzoum à te dire. Hatzoum! Il vient te dire, toi, t'as d'un côté, t'as le collège. C'est pas que t'es en train de glander, t'es pas en train de. J'ai un khidush, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu l'écoutes? Où tu viens au collège? Alors tu peux te dire, bah oui, attends, c'est un khidush, c'est Torah, pourquoi je n'écouterai pas tout ça? Ou bien tu sais que tu vas être en retard. Je ne sais pas, mais en 2 minutes, on n'est pas en train de parler de 2 minutes. Tu sais que maintenant, t'es déjà en retard pratiquement, et que tu vas rater 20 minutes du collège, il va te tenir la langue pendant une demi-heure, même si c'est pas intéressant. C'est dans le Torah, c'est un Nisayon. C'est un Nisayon, c'est une épreuve. Est-ce que tu sais, tu es conscient de ta vie à toi? Tu es conscient que tu vas au collège et tu ne glandes pas? Tu es conscient que ton temps il est précieux toi aussi? Bah, tu peux me parler, t'as envie de te dire ton khidush, écris-le, tu m'envoies genre un fax ou un mail. Moi j'ai le collège, je suis désolé. Mais tu sais pourquoi? Parce que d'abord on sait pas ce qu'on fait. On n'est même pas marir ce qu'on fait, comment dire en français, marir. On n'estime même pas ce qu'on fait. La preuve. Bah, t'es capable de. Va prendre un businessman, mon gars. D'accord? Le vrai businessman. Et il a un rendez-vous d'affaires avec pour 2 millions de dollars. Et tu dis, non, écoute, viens, je te raconte. Hier, on est parti au ciné, je te raconte le film de folie. Regarde, c'est quoi ce zozo là? Hé, dégage! C'est quoi ce zozo? Parce qu'il sait ce qu'il fait, il estime ce qu'il fait. Il y a un mot en français, hein, mais j'aurais pas trouvé. Il valorise ce qu'il fait, mais il y a un autre mot par rapport à soi. J'avais pas trouvé le mot en français, mais écrit là. De la valeur, je sais pas. Ouais, bon. On s'est compris en tout cas, d'accord? Ce qu'il fait, il a de la valeur. C'est une personne qui s'estime. On n'est pas en train de dire qu'il faut que tu t'aimes. Mais il faut que tu t'aimes, il faut s'aimer. D'accord? Comment ça veut dire, il faut s'aimer? Si on a une autre qui a chanté, on va s'aimer, mais c'est autre chose. D'accord? En tout cas,
En tout cas, comment t'es capable de faire une chose pareille? Pourquoi tu l'écoutes, lui? Ce que tu fais, c'est pas assez bien. L'Issaïon, il est où? L'épreuve, elle est dans le temps. L'épreuve est dans le temps. Et on voit que dans la vie, plein de fois, on va en initier l'autre dans le temps. Dans le bien. Et nous, on pense pas à ça. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? Alors, soit parce que d'abord, on l'a dit, on s'estime pas, ou on n'estime pas ce qu'on fait, on n'a pas de valeur de ce qu'on fait, on n'a pas de la valeur de ce qu'on fait, il y a fait mode. Ou des fois, pour nous, c'est pas un Issaïon. Mais attends, les deux, c'est Torah, les deux, c'est Tov. Pourquoi tu veux que ce soit un Issaïon pour moi? Pourquoi c'est un Issaïon? C'est un Issaïon, Khabibi. C'est un Issaïon. La preuve, c'est quand tu dis, oh, c'est que ma mitzvah, tu mets la mitzvah, c'est quoi ça? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a? Les deux, c'est Torah, on l'a vu dans Brachot. Rappelez, au début de Brachot, on a vu. Alors, c'est ma première mitzvah. Les deux c'est mitzvah, pourquoi? Mais miyamar lecha que ça c'est plus que ça. Et les deux c'est tzivou yachem. À ce point tu vas être délaissé cette mitzvah pour une autre mitzvah. Écrit que celui qui fait une mitzvah, il a quitté de compléter une autre mitzvah qui vient en même temps. D'accord? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Les deux c'est toi, je vais pas te dire ça, je fais celle-là. Mais t'es mezalzel. Si tu méprises la chose, tu sais pas ce que tu fais là. C'est un Issaïon. C'est un Issaïon. Quelqu'un qui a un shikul dat, qui a un dat Torah, pour rien au monde il y a ça la mitzvah qu'il est en train de faire. Parce que lui, c'est la Torah qui le... Il est régi par la Torah. Il n'est pas régi par ses sentiments. Des fois, tes sentiments, ils te font faire une chose, mais il ne faut pas les écouter. Il faut avoir un date, Torah. Là, c'est le chidush qui nous donne, c'est le chidush Hatzum. Comprendre que l'Issaïon de l'homme dans la vie, l'épreuve de l'homme, elle n'est pas simplement dans le mal. Elle n'est pas simplement entre savoir le mal et le bien. Des fois, il te dit, même dans le bien, t'as un Issaïon. Il te dit la preuve. Et ce qui est marrant, on va le voir. Et c'est un peu ce qu'on a dit. Le plus grand Issaïon de l'homme, la plus grande épreuve de l'homme, elle n'est pas forcément de s'éloigner du mal. Parce qu'entre guillemets, quand tu vois en face de toi le mal, alors le mal il est clair. Alors que tu écoutes tes instincts et que tu tombes, t'es tombé. Mais on est tous d'accord, et tout le monde sera d'accord, que c'est mal. Toi-même le premier. Quand tu écoutes tes instincts, t'es tombé. Donc c'est beaucoup plus facile de se protéger de ton ennemi, quand tu sais que c'est ton ennemi, que de te protéger d'un ami, mais qui est en fait ton ennemi. Tu penses que c'est ton ami. Ben c'est pareil, entre guillemets, dans la vie. C'est beaucoup plus facile de se protéger d'un Yetzara, entre guillemets. Yetzara, du rat, du mal. Tu sais que c'est ton ennemi. Alors tu vas le combattre. Même si tu peux tomber, mais tu vas le combattre. Mais quand il se déguise en Tov, quand il se prend pour quelque chose de bien, le Yetzara, quand c'est du Tov, les deux c'est du Tov, c'est très difficile, parce que je ne vois pas le mal. Quand tu vois pas le mal, c'est là où c'est le plus difficile et ça, c'est le plus dangereux. Ce qu'il dit ici. L'Issaïon, il dit par exemple, l'exemple qu'il donne le Ramchal, c'est quoi? Entre la richesse et la pauvreté. Quel exemple il donne? Quel passage qui ramène le Ramchal? Quel passage qui ramène le Ramchal? Pour donner son exemple. Penesvav Krikrashi. Attends, tu me donnes deux exemples de mission d'épreuve. Une épreuve dans la pauvreté, une épreuve dans la richesse. Et de quelle façon il t'amène? Quel exemple il te donne? Pour la richesse. Penesva. Tu donnes l'exemple de, attention, peut-être que tu vas être rassasié, et quand tu seras rassasié, tu oublieras Kadosh Baruch Hu. Pourquoi je ne donne pas l'exemple par rapport à la pauvreté? Parce que ici... Après, d'accord. Mais tu vois que le pasouk, il commence comment? Il commence pas par rapport à d'abord être pauvre, et après être riche. Tu dis d'abord, de peur que tu sois riche, et que tu oublies Dieu. Après, il te dit, de peur que tu sois pauvre, et que tu vas t'amener à voler. Pourquoi Shlomo HaMelech commence par ça? Pourquoi? Parce que le plus grand Issaïon, il n'est pas celui de la pauvreté, c'est celui de la richesse. C'est beaucoup plus dur pour une personne qui est riche de rester dans la voie d'attachement, de rester un homme intègre, qu'une personne qui est pauvre. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est pauvre, d'ailleurs c'est ce que ça l'explique Bechoulé, c'est qu'une personne, chimiquement, on explique les Gemara dans Brachot, qu'une personne des fois elle a des issouïnes. On dit c'est Isouïn Mahava. On dit pourquoi c'est Isouïn Mahava? Pourquoi ce sont des souffrances de par amour? On dit parce qu'une personne, tant que son être, entre guillemets, parce qu'il a de la richesse, peut-être de l'argent, parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il a, alors il peut oublier Akadosh Baruch Hu. Il dit une personne qui finalement, chémichement, même elle est loquée, chémichement, elle est touchée dans son corps même, malade, béroulée. Il explique que le corps lui-même il est tellement affaibli niveau matériel, enfin du matériel, que ça l'empêche de faire de la Avera. C'est qu'il n'a même plus envie de faire de la Avera. Parce que plus le corps y vit, plus il y a une possibilité, pardon, une tendance, une envie qui peut naître en la personne de faire de la Avera.
Parce que le corps en lui-même, maintenant qu'il y a le mal en lui, alors à la base il n'y a pas le mal, mais après la faute de l'arrivée, que le mal il est en lui, alors le corps lui-même il va courir vers la vera. Quand tu as du mérès, quand tu es paribé chalem, quand tu es bien, tu te sens bien. Il y a plus de chance que tu fasses la vera. Par contre, bien fait. Par contre, quand une personne, elle est loquée, le truc, alors son corps, entre guillemets, même si Bédra Hachem, après il sera guéri, mais entre temps, son corps, entre guillemets, il est comme mort. À partir du moment où le corps il est mort, donc ça laisse plus de place à Sayajama. La personne, Sayajama, elle vit plus, donc il se retrouve avec lui-même, elle fait tchouva, elle voit Dieu. Elle... Pourquoi? Parce que le corps, il a été endormi. C'est ça le lien des fois, il dit le Rav Dessler, des sourim be'ahava. Je crois qu'il envoie des sourires à une personne, chez Michemon, pour par amour. Pourquoi? Pour endormir le corps. Ton corps, il t'empêche d'avancer. Ton corps, il t'empêche de courir. Il t'empêche de... Pourquoi? Parce que ton corps, c'est lui qui t'amène à la vera. Que je vous, il t'aime tellement, il veut que tu fasses souva, il t'endort ton corps pendant un moment. Alors il t'amène une maladie à chez Michemon, tu guériras, Bézat Hachem. Mais il t'envoie quelque chose, une grippe, je sais pas, pendant un instant, et t'es comme ça, je peux bouger. À partir du moment où le corps, il est éteint, alors c'est Hachem qui prend le dessus. Hachem prend le dessus, automatiquement, la personne, elle rentre dans le vrai. Elle voit l'essentiel. Elle se rend compte que tout ce qu'elle avait autour d'elle, tout ce qu'elle prenait pour essentiel, ce qu'elle prenait pour essentiel, les voyages qu'elle faisait, les croisières qu'elle faisait, les rencontres qu'elle faisait, tout ça, en une seconde, n'existe plus, il n'y a plus rien du tout. Donc, elle peut revenir elle-même, elle peut revenir vers Kadosh Baruch Hu. D'accord ? Donc, c'est exactement le lien d'un pauvre. Un pauvre, Badaï, il peut arriver lui-même à fauter, et c'est un Nisayon Atsum, c'est une épreuve très dure. Mais au niveau de. Au contraire. Il dit la dessert dans un autre endroit, il dit que c'est une gmara, c'est que ils disent que les talmidei chachamim, on les appelait les bnei anim. On appelle que les talmidei chachamim, les futurs talmidei chachamim, c'est les bnei anim, c'est les fils de pauvres. Pourquoi? Parce que ces garçons-là, ces enfants-là qui sont nés dans des maisons simples, où il n'y a pas eu de luxe, il n'y a pas eu du plus, du surplus. Donc les gens se sont éloignés de l'essentiel, c'était les voyages à gogo, les cadeaux à gogo, une vie à gogo. Ouais, ça devient un gogo lui-même. Ouais. Ces gens-là, ces enfants-là, finalement, ils se sont contentés de ce qu'ils avaient. Alors c'est pas péjoratif, dans le sens qu'ils ont, ils vivaient dans l'essentiel. Ils ne se sont pas inventés des besoins. Ils ne se sont pas inventés une fausse direction. Ils se sont contentés de ce qu'ils avaient, ils étaient dans l'essentiel. Voilà, quelqu'un qui dit que tu veux trouver où sont les Tamil Khatamim, les futurs Tamil Khatamim? Ibn Ali, c'est les enfants des pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils se sont protégés de toute influence extérieure. Tout ce qu'on nous fait acheter, tout ce qu'on nous fait vouloir, tout ce qu'on nous fait. Ils n'ont pas la télé, ils ne peuvent pas voir, ils n'ont pas la radio, ils ne peuvent pas écouter. Ils jouent avec une petite canette de coca, ils jouent au football avec, ils sont contents, ils sont gentils. Ils vivent, ils sont libres, parce qu'ils sont libres. Ils sont libres, ils ne sont pas endoctrinés depuis qu'ils sont petits. Ils ne sont pas créés de besoins depuis qu'ils sont petits. Pour dire quoi? Pour dire ici, c'est pour ça que le Nisayon de la pauvreté, l'épreuve de la pauvreté, c'est un Nisayon qui est très difficile. Comme il est écrit, bien sûr, même de ça, tu peux arriver à oublier Kadosh Baruch Hu. Mais c'est pas le Nisayon, c'est pas l'épreuve, elle n'est pas aussi difficile qu'une personne qui est riche. Une personne qui est riche, c'est pour ça que le Ramchal, d'abord, il y a le passage de Shlomo HaMelech, de quoi il parle d'abord? Du riche. C'est plus dangereux d'avoir tout ce que tu as besoin. C'est plus dangereux d'être riche, on parle de grande richesse, mais sur de grande fortune, et d'avoir ce que tu as besoin. Parce qu'une personne qui a des grandes richesses, alors elle va automatiquement courir votre samyadi, je suis rassasié, j'ai pas besoin que de toi, que de je bouffe. Elle peut se payer ce qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut, acheter qui elle veut. Le nisayon de la richesse, c'est un nisayon, atsum, atsum, atsum. Il est plus dangereux encore que celui de la pauvreté. En tout cas, on voit en tout cas, et c'est ce qu'il veut dire, c'est le Ramchal, on fera demain, que la milchama de l'homme dans ce monde-là, la guerre que l'homme y met dans ce monde-là, c'est pas simplement dans le rat, dans le mal, dans ce qui nous paraît mauvais, dans le négatif, mais même dans ce qui nous paraît positif, exactement l'exemple qu'on a donné au départ, ouais, entre deux choses qui sont qui paraissent bonnes, entre deux mitzvot. Si tu es en train de faire une, pourquoi tu laisserais celle-là pour faire une autre? L'épreuve, elle peut être même dans le bon. Et la milchama, la véritable milchama, ça c'est pour ça qu'on le dit aussi, la difficulté le plus difficile, c'est dans le bien. Maintenant, ce qu'on essaierait de voir demain, c'est qu'il dit le Ramchal, il dit, on voit que l'homme, donc il a été placé par le Kadosh Baruch Hu, Behemet, véritablement, dans une guerre difficile, d'accord, dure, forte. Pourquoi il dit Behemet au milieu? Donc je dis, Behemet, Moussam, Betor, Mitzvah Chazaka. Fait Mitzvah Shu Moussam, Behemet, Betor, Mitzvah Chazaka. Mais c'est Behemet. Mais t'as rotsé. Ouais, c'est pas Behemet, on joue, on s'amuse.
J'ai du pipeau virtuel. Toi, tu dis Béhémet. Attends, la chaîne devant, on verra ça.